What the fuck? Quelle merde, putain, je suis désolé. Ouais, je vais et puis ça vaut quoi? 15%, 15% Kyuk. Ouais, ben. Ouais, c'est tout à fait ça en fait, Suniz. En fait, regarde, je te montre, frérot. Normalement, ils sont juste ici. Ah, ouais, c'est pire que max XP. J'ai pris 2 levels d'un coup, frère. C'est dans les alchimies. Non, c'est dans l'artisanat. Et en fait, les lingots du Meritium, c'est soit tu la prends, il est là. Un switch. Non, c'est tout. Salut, Panda. Ah, le celle du chat, c'est 20. Ah, ouais. Ah, chaud. Non, de toute façon, 15, 20, 30, frère, c'est fumé, moi. Tiens, j'ai plongé pour rien. C'est juste à côté. L'ours maître est magnifique, j'ai hâte. J'ai hâte. Oh, j'ai un. Vas-y, on va le bombarder comme la dernière fois. Oh, oh, oh. Attends, attends. Une attaque frontale. Oh, mon gars, c'est trop fumé, ce. C'est quoi ça? C'est ça pour ça? J'ai même envie de le jeter au sol et tout, frère. Je le jette. On bat les couilles. Ok, ben le point, voilà, il était un point fait là. Mais il fallait que je le fasse. Donc, chose faite. Avec un enclos de moutons. Le démembreur. T'as vu le tourbillon, il fait flipper, hein. Et ça arrache, gros. Honnêtement, il arrache le tour de l'eau, là. Non, c'est pas grâce à l'épée, c'est grâce à une compétence. C'est celle que... Elle est trop forte. C'est celle-ci, là. C'est tourbillon, attaque rapide. Donc, t'as soit le tourbillon, t'as soit la grosse attaque. Donc, tu restes appuyé sur carré. C'est soit tu fais ça, en restant appuyé sur carré. Soit, si t'as jauge, ça consomme de la vigueur, hein. Ça c'est la grosse attaque. Évidemment, en combat, ça remonte pas aussi rapidement. Hein. Mais je peux te dire que ça fait très très mal. Surtout celle-ci. Celle-ci, genre, qui envoie des coups à... J'ai pas eu de crit là sur le mob parce que ça allait trop vite. Mais vous l'avez vu, hein. Il avait pratiquement le... toute sa vie, genre... C'était ouf. Trop trop mal. Allez, on va se rendre à Skellige. On dirait l'attaque du... Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pas bête. Je crois que j'ai pas le craft du minerai. Alors c'est soit tu l'achètes au marchand, essaie de fouiller vraiment un maximum de marchands. Soit tu l'as un peu plus tard dans la quête principale, il te la donne directement. Ouais, mais on avait fait un petit test, Maxence, c'est pour ça que j'avais pris la grosse attaque en priorité. Le problème de cette grosse attaque, c'est que ben, en mettant deux coups de carré, on va dire deux coups d'attaque rapide, c'est comme si je mettais un coup de grosse attaque. Et le problème, c'est que je perds trop de temps à essayer de mettre cette grosse attaque. Et ça pique un peu. Du coup, l'attaque carrée, entre guillemets, est beaucoup mieux. Merde, mais c'est là. Ils me disent que c'est là. Ok, je suis jamais allé là, je crois.
Ben non, sinon j'aurais. Donc on va se mettre là parce qu'il y a la route. Wow, le mec. Résolu à affronter Eredin, Geralt ne pouvait pas le vaincre sans l'aide de ses amis. Pour terrasser la chasse sauvage, il fallait une magie puissante. Triss et Yen décidèrent donc de reformer la Loge des Magiciennes, un groupe à la fois dispersé et décimé. Avalar, lui aussi, avait un plan. Trop fat, c'était ces trucs-là, ces sortes de mini-chargements, les chargements cachés, là. Oh. Alors, il fallait qu'on aille, merde, ça y est, j'en perds mon... Alors, la truc était juste ici, si je ne m'abuse. Et c'est un endroit où je ne suis jamais allé. Tu vas, Azur? Passe une excellente soirée, frérot. Ben, tant demain, tu reviendras, j'aurai déjà trouvé la... J'aurai le set complet et tout. Je serai level 31 et... ça peut être intéressant, il manque combien? Plus de 600 points, à peu près? Oh putain, délire de ouf. Désolé, j'ai abordé des SMS là. Oh putain. Merci du follow. Tiens, je viens de voir dans la rediffusion quoi sur l'écran. Hein. Merci à la personne qui vient de follow et merci à toutes les personnes qui follow. Bah tu sais quoi? Je peux faire direct un décompte en vrai des personnes qui ont follow depuis... Wow. Là, ou pas. Depuis le début du stream quoi, depuis le début de The Witcher 3, on était à 8000, à peu près 8000 personnes. Et même d'ailleurs, en commençant à The Witcher 1, je crois qu'on était à 7500, un truc comme ça. On a pris grave, grave de monde. Honnêtement, grave, grave de monde. Ça fait plaisir, hein. Merci l'équipe. Alors là, il y a un voyage rapide, ok. Ok, mais il faut passer par une sorte de grotte, on dirait. Ok, c'est une grotte. Attendez, je vais juste lever le point parce que ça me perturbe qu'il soit affiché. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Et lui dans sa vidéo, alors je suis désolé, je vois pas le chat. Je regarde juste si c'est le bon bordel. Et je regarde juste un petit peu ses faits et gestes pour savoir s'il y a un truc exact à faire ou... Ah, il me spoil la route. Ah. Ok, monte des escaliers. Fat fat. Ok, c'est un truc de coquin en fait, son truc là. Bon, quand même clean la grotte, hein. Combien de scènes de sexe à date? Ça veut dire quoi, combien de scènes de sexe? J'ai couché que deux fois dans le jeu, gros. Je pourrais coucher, il y a plein de gens qui... Oh. Wow, j'ai flippé, frère. Oh, ouf. Deux coups. Je peux coucher avec n'importe qui sur le jeu, cependant, mais j'ai pas voulu le faire. Je le ferai peut-être quand j'aurai fini le jeu. La trame principale, ultime préparatif. T'es sérieux, genre, ils m'ont changé la quête? Ah, mais je crois que j'avais pas de quête active.
Mais sinon, j'ai vu qu'il y avait pas mal de scènes de cul. D'ailleurs, il y a un mec qui montre en vidéo, ça dure plus de 10 minutes, je crois. Je peux coucher avec plein de femmes dans un bordel. Dans une auberge, avec des femmes de joie. Mais c'est pas non plus mon délire, quoi. Mais tellement, Kyuk, tellement. Tellement. Bien sûr que, genre... ce qu'il dit pour moi est tellement une ambiance énormissime que... Là je fouille, hein, je sais où c'est qu'il y a le stuff. Je vais juste regarder, voilà. Je me disais déjà comment ça se fait qu'il y a... Moi je ne reviendrai pas, hein, je ne pense pas. Ok, je suis monté dessus. C'est pas cool. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est toi? Comment ça, rien de ouf? Des harpies au moins, non? Vampire. Huile contre les spectres supérieurs. Voilà, ça m'intéresse, tu vois. Arbalète, on s'en fout. Moi, je l'ai prise, hein. Honnêtement, je l'ai prise, mais... Mais je vais de suite la jeter au sol. Est-ce que vous pensez que je peux monter comme ça? Il va falloir de l'agilité, non? Je sens le fail, mon frère. Doucement. Ok, à quoi ça sert ce que j'ai fait? Merci du follow. J'ai pas vu ton pseudo. À rien. Oh, salut, je suis une fouine. J'aime bien aller à droite à gauche, voir si je peux pas prendre des trucs et tout ça. Bon là, il s'avère qu'il n'y a rien du tout. De toute façon, je suis tombé... Waouh. Ouais, mais fais gaffe comment tu parles, frère, parce que... C'est quoi ces gens? C'est vraiment bizarre en fait cet endroit. Trop chelou. Très bizarre comme endroit. Bon. Rien de particulier ici. C'est pour le prestige, pas. Ok. Ouais, mais je l'ai senti mal dès le début. Bref, allez, on enchaîne, donc une petite île. Alors, comment je vais faire pour trouver cette petite île déjà? Donc déjà, c'est à Skellige. C'est obligé, c'est à Skellige. Alors, allons trouver cette petite île. Ah, il y ressemble. Nice. Ça va assez vite, hein. Tu vas sur la pointe, tu dis, je suis le maître du monde. J'ai déjà fait celui-là, frérot. J'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait. Dame Bran aurait mieux fait de ne pas vendre. Ah, y a... en plus, je crois que je suis déjà allé là. Ça c'est un fail de tout cracher, ça, tu vois. Genre, c'est un délire, genre, je suis passé à côté de quelque chose, mais je l'ai même pas vu. Ça sert à rien que je porte des lunettes en vrai, parce que je vois que dalle. Bonne soirée Abdou, merci de passer sur le stream, frérot. Bon.
Alors attends, il rentre par où, frère? Oh, la musique. Ok, le dadding il rentre par là. Il y a deux portes. Ici, il y a que des petites bricoles, c'est ça. Eh, les petites bricoles, il y avait une lingot d'acier quand même. Le coco là. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi ramasser, gros, s'il te plaît. J'ai pas vu. Tout simplement, non? Non. Ah bah oui. Ok, déjà j'ai les deux épées, c'est fat. S'il vous plaît. Et le jeu était downgrade, s'il vous plaît. La troisième se trouve. Déjà, il faut que je reparte au point. Non, ça c'est cool. J'ai vu qu'il y avait un point d'exclamation ici aussi. Hein. De toute façon, l'île, je l'ai faite ou pas? Est-ce que j'ai fait l'île de fond en comble? Non, il y a des trucs que j'ai pas fait. Donc, comme ça, je saurai, je reviendrai ici. En vrai, j'ai rien fait à Skellige. J'ai à peu près plus d'une. Pour aller. Facile, 120 points à faire d'interrogation. Quoi qu'il en soit, je les ferai avant de finir le jeu. Je vous ai. Là, s'il fallait pas arrêter, s'il fallait pas rater un stream depuis le début de la série, je pense que c'était celui-ci. Honnêtement, je vais pas faire le mec, mais bah après, bien évidemment, les gens regarderont la rediffusion. Hein. Mais c'était vraiment un truc de ouf ce qui s'est passé ce soir-là. Truc de ouf, putain. C'est fou que je peux te déclencher tant d'émotions comme ça. Hein. C'est hallucinant. Par contre, je la trouve pas celle-là. On dirait que c'est la même. Oh ma gueule, c'est la même. Ah, un truc de ouf. Tiens, en fait, c'est au même endroit. Je viens de recevoir un message de WhatsApp de Natsu qui vient de me dire que Jurassic Park, quoi, Jurassic World était énormissime. Ouais. Pas trop convaincu. Mais pourquoi pas. Alors, il paraît qu'il est ouf. Hein. Donc, peut-être à voir au cinéma. Alors, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas Natsu, c'est un fou furieux des AVP du Grand Rex, des avant-premières du Grand Rex. Il fait pratiquement toutes les avant-premières qui se passent au Grand Rex. Le cinéma à Paris, moi je ne connais pas honnêtement. Avec les acteurs et tout le tralala. Et là, il a fait celui de Jurassic Park ce soir. Et il paraît que c'est un truc de malade mental. Donc d'après, c'est dire. Hein. Bonne nuit, Kyuk. Excellente soirée, frère. Amène-toi, allez. Ok, oh là là. Une RP. On va le découper, frère. Ah ouais, ça me saoule. Ah, c'était Vin Diesel. Vin Diesel? Denzel Washington aussi, non? C'est quoi ça? Et Russell Crowe aussi, j'ai l'impression. What the fuck, c'est quoi ce truc? Pourquoi les statues elles sont rouges et. Oh là là, c'est encore une énigme chelou là? Attendez, je regarde ça de plus près. Je
pas envie de faire du caca. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que vous allumez. Ça peut être cool, non, de vous allumer dans les grottes de temps en temps. Surtout qu'on a la possibilité de le faire. Hein. C'est pas dans tous les jeux qui te proposent des choses. C'est quoi quand je rentre dans une grotte comme ça? Ça me rappelle Tarpin Tomb Raider avec la petite. Bon. Sérieux, hein, je me languis Tomb Raider. Sincèrement, je me languis. Je me languis surtout qu'il soit sur PC. Avec la physique des cheveux, encore qu'on pourra pas jouer avec parce que ça va faire bugger tout le jeu. Et juste là. Nice. Par contre, la grotte recèle des secrets. Ok, il faudra le faire cet endroit là. Ça a l'air vraiment chelou. Hein. J'ai envie de le faire et tout là. Je vais vite et tout, ça me fait flipper là. Il se passe quoi, gros? C'est quoi ces bruits, putain de merde? Je dirais que la combinaison est plutôt bonne ici. Par contre, il y en a une qui est pas très très bonne. Ah merde, attends, j'ai pas regardé les dessins et les hiéroglyphes quoi. Bon, celle-ci joue, et celle-ci a un chien. Autant bouger celle-ci. Alors. D'accord, bon, elle fait rien du tout. Bon, ça sent les araignées, je vous l'ai dit d'entrée, vu le bruit qu'elles font. Ou un Uncharted pour certaines énigmes. Ah. Comment sait-on que... Ah non d'accord, c'est les harpies qui en font. Ah. Normalement, je devais aller me coucher. C'est quoi ce délire, les gars? C'est pas que je flippe un peu, mais genre, tu sais, j'ai tellement peur qu'il y ait un truc qui me surprenne. C'est chaud quand même, hein. Comment ça, les gars, ils sont autant résistants que... What the fuck? Waouh! Limite, ça map et tout ça. Et ça aussi. Quoi, c'est... C'est hard. Salut. D'accord. Faire un petit demi-tour comme ça au calme. Bon, ça aura débloqué des trucs. Mort de rire. Ok. Bah, mais comme ça, on l'aura fait, tu vois. Bon, l'énigme était assez simple. Hein. Elle me dit pas que ça reste allumé. Ah. J'allais dire, gros, le jeu est super bien fait, mais j'ai pas que la torche reste allumée, quoi. Eh, ça va vite en fait, là, dans le hub des persos. Faut que je tue des monstres. Vas-y, viens d'eux. Thank you.
Allez, il y en a encore là. Bien ça, monsieur le bureau. Yesco. Oh, vas-y, j'ai tous les 7 là. C'est prêt. C'est bien, Ablette. Je croyais que j'allais galérer, mais en fait ça va. Du coup, moi je vais faire pour monter toute la montagne, tout ça. Il y avait pas un endroit où j'avais pas pris, ouais. J'avais pas pris un panneau avec des quêtes. La Syrie a l'air abandonnée. Tu vois, déjà il y a une quête qui se lance alors que j'ai rien demandé, gros. Fouillez la Syrie abandonnée à l'aide de vos sens de sorceleur. Ah! Des os humains. C'est tout ce qu'il reste des bûcherons. Ok. Ah, c'est une chaîne! Oh mon dieu! Pardon. Mais sérieux là? What the fuck? Oh, vous avez vu le délire ou quoi? Merci du follow, frérot. Est-ce que vous avez vu le délire? Genre, mon perso il était bloqué dans le temps, frère. Eh, ils ont cru qu'on jouait à Quantum Break. Bah, enfin. Bon, là-bas, si je suis venu ici, c'est pas pour faire tout ça. Frère disparu. C'est pas ça? C'est level 33. Vas-y, on le fait easy. Easy. Non? Attends, déjà je vais récupérer le panneau. Sur pourquoi je suis venu. Bonsoir Québec. J'aime bien les gens, ils viennent comme ça, ils t'agressent direct. Ils, même pas, ils cherchent la politesse. Vous connaissez les gars ou quoi? Non? Merci Kraken du follow. Bienvenue à toi, frère. Et pour répondre à ta question, Québec, le jeu, je le recommande direct. Bien sûr que je le recommande direct. Je crois que t'attends qu'il coûte moins cher, frère. C'est l'un des meilleurs RPG qui sort depuis je sais pas combien d'années, gros. Donc après, si tu es fan de ce style de jeu, fonce. Fonce. Après, ça dépend de tes attentes, etc. etc. Ok. Donc comme ça j'ai pris des quêtes.
Même pas. Ok. Contrat mineur de sport. Ah, du coup, j'ai pris. Ouais, des petits trucs pétés en fait. J'ai pris juste un contrat. Ah, mais c'est la quête du mineur. C'est pas celle du DLC. Quand du DLC, ouais, je crois que c'est le DLC. Ouais. La meilleure épée ne vaut rien au bout d'un bras. Tiens, on va la faire.